Mais c'est super ça! Je vais lancer le stream, il se met à pleuvoir! Bonjour! Ça, il se met à pleuvoir fort! Orage, tempête et tout! Hein. Au moment où. Il y avait grand soleil! Hein. Au moment où je vais appuyer sur le bouton, pouf! La tempête! Super! Eh bien, bonjour! C'est bientôt Noël! Elle en peut plus! La bichette! Elle se prend toute la flotte dans la gueule! Super, merci beaucoup le temps, la météo du jeu, incroyable. Bon, pas grave, nous avons une mission aujourd'hui. On n'est pas venu par là. Bref, ah oui, orage en voie droite, tu m'étonnes. Notre mission va être de faire la quête Un Parfum de Légende avec le fourbe dragon. Alors attendez, je crois qu'on n'avait pas lu la dernière fois. Le dominant fourbe dragon serait un Pokémon très dangereux. Il se cacherait sur une île de l'immense lac Arsol. Mais on ignore à quoi il ressemble, on dit qu'il attire ses proies avant de les dévorer grâce à son énorme bouche. Restez sur vos gardes si vous partez à sa recherche. Bah let's go, hein. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Alors, si j'en crois ma table des types, parce que je le rappelle, je ne connais toujours pas la table des types de Pokémon. Les types dragons sont faibles face aux dragons. Et aux fées, je crois. Pas dire de conneries. Oui, fée et glace. Et le type dragon est inoffensif face au type fée, si je dis pas de bêtises, hein, si je comprends bien ce que je suis en train de lire. De ce fait, nous allons utiliser un Pokémon. Hop, j'ai Nymphalie, j'ai Forgelina et j'ai été choper un mini Draco avant-hier, je crois. Du coup, ça va quoi. En termes de Pokémon dragon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on mettra Nymphalie en premier. Je sais même plus ce que Nymphalie a comme attaque de type fée. Regarde. Oui, ça devrait le faire. Coucou Momo! Bienvenue! Du coup, je me dis, pour la dernière épice, avec Nymphalie et Forgelina et à la rigueur Mini Draco, plus eux... Alors lui, je l'ai remis, parce que bah, je l'aime beaucoup. J'aimerais qu'il prenne un peu d'XP aussi. Bah écoute, ça peut aller. Je suis épuisée, je me suis réveillée absolument toutes les heures cette nuit. C'est un peu dramatique. Mais sinon, ça va. Et toi? Oh, par contre, la tronche qui tire. C'est pas beau dans ce jeu de merde. Ah. Ça s'envole, les ronds doudous. Oh là. Mais, baron doudou. Lui, il vole pas. Ok. Je vois bien. Pas de problème. Ouais, ouais, y a pas de souci. Bah là, de toute façon, ça vole pas normalement. Ah, donc c'était un petit bug. Bon, attends, je me mets un petit repère. Pas mal. On va aller là. On va aller là aujourd'hui. Il me reste plus que ça à faire. Après, j'ai la ligue. Un coup de vent. Bah, il y avait du vent, il y avait de l'orage. J'ai la ligue et j'ai la personne dont on ne connaît. Oh là là, absolument pas du tout l'identité. Ah, oh là là, je suis très choquée par ce scénario. Incroyable. Mais ouais, j'aimerais bien quand même aller ici et en profiter pour me balader par là parce que je me suis pas baladée du coup. Je me suis pas vraiment approchée. L'endroit le plus proche où j'étais, c'était ici. Et j'ai pas trop été dans cette zone-là alors que ça a l'air quand même plutôt sympa, quoi. Oh oui, oh, quelle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Oh là là, lali, la 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 lou. Et coucou Yaz. Bon du coup, attends, je vais me TP parce que je suis une feignasse. Comment ça va? Ah, je préviens, je risque d'être interrompue, j'attends un colis. Depuis ce matin. J'ai eu une notification ce matin, votre colis vous sera livré aujourd'hui. Bah, il est toujours pas là. Donc j'attends. Elle est jolie cette musique. Elle est toute douce. Ouais, ça a l'air joli là-bas. Moi, je veux qu'on y aille après. Hein. Bon, de toute façon, on doit aller, je crois, sur la petite île là. Tu me tues par un bidule. Viens, on va se battre. Je vais absolument pas lancer le bon Pokémon sur la gueule. Oh, une raclette.
J'aurais pas dû faire un combat, j'ai la flemme. Je sens que ça va m'emmerder ce que sur quoi on va tomber après, donc autant que j'économise mes forces. Je sais que ces trucs, hein. Des machins. Il y a des Pokémon bizarres ici quand même. Ouais, demain soir, j'ai mon amoureux, il va me cuisiner une recette de la Lorraine. Il va me faire des knefs. Merci pour Petit Chat, la nouvelle mascotte du stream. De ce que j'ai compris, plus on le nourrit, plus on s'occupe de lui. Je crois que même en dessous le stream, dans la bio, on peut même lui faire des gratouilles et des trucs comme ça. Il gagne en XP. Et grâce à l'XP qu'il a, on pourra lui changer son skin. Il va débloquer des nouvelles couleurs de pelage, etc. et tout. Domi, non. Pardon. Hein? Ça parle? Il a parlé, on est d'accord. Et je peux pas m'approcher. Il a un champ de force. Ok. Sushi, sushi, d'accord. Sushi, non. Sushi, 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 sushi. Mais où est-ce que je suis, là? Quoi, cet endroit-là, con? Oh, sushi. Nigiri, oui, bah oui, bah des sushis, des nigiri. Ah, c'est des Pokémon sushi. Ils ont petit truc de riz en dessous. D'accord, ok. C'est rigolo. Mais, méfiante, hein. Il n'y a pas un Pokémon dominant ici, normalement? Ça y est, je comprends pas. D'habitude, on a toujours un truc qui se lance tout seul. Ça se trouve, je suis passée à côté, je l'ai juste pas vu. Il serait dans l'eau, peut-être. C'est un bug, je crois. Ah. Attends, on va s'éloigner, on va revenir. Et les strats que j'ai vu sur TikTok. Le son en arrière pour grimper, ça marche très bien. Après, je peux toujours éteindre et relancer le jeu à la rigueur, mais... Bah ouais, j'ai pas été appelée. J'ai pas le souvenir, ou alors une fois qu'on s'était baladé dans le coin, mais il me semble pas. Attendez, on va aller s'éloigner full loin. Je vais retourner sur la terre là-bas. Il est pas mal ce jeu, hein. Genre il y a pas de soucis, hein, tout va bien. Bonjour la grosse baleine. Il y a plein de trucs dans l'eau. Et j'ai pas, non, je n'ai pas été appelée. Après, je peux toujours éteindre et rallumer le jeu. Hein. Je vais m'éloigner, je vais éteindre et rallumer le jeu. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors on se pose là. Coucou Minecraft, adorable. Bon, hop. Faire une petite sauvegarde, hein. Oui. Oui, j'ai le TP à la tour. Mais il me semble pas que j'avais eu un... Je me souviens pas avoir eu un dialogue. Je sais plus. Ça se trouve, on a eu, hein. C'est juste que je ne me souviens pas, hein. Il a dû t'appeler alors. Bon, dans le doute, on va quitter, relancer. Vous avez vu, les dernières maps Mario Kart, elles sont trop cool. Là, celle de Noël, elle est trop bien. Il y a Mini Tenet qui était passée à la maison. On voulait faire un jeu à Unravel 2. Final, on a fait que du Mario Kart et elle a fait de la VR après. C'était trop cool. Ah, moi, j'ai le mode famille plus. Je suis dessus avec Sony, puis ma famille et sa famille de son côté, donc au final ça nous reviendra pas cher du tout. Bon, est-ce que ça va marcher? Bon, au pire, sinon je vais chercher, hein, mais... Oui, j'ai eu le truc là-haut, là. On va se balader. Après, je suis peut-être passée à côté du dominant et je l'ai pas vu aussi, c'est possible, hein.
Ah, moi j'adore les jeux Nintendo 64, donc il va y avoir un truc que j'ai pas vu. C'est la première fois que je loupe un dominant. D'habitude les autres je les vois direct, mais là. Ouvrons nos mirettes. Je crois que la musique elle est trop mignonne. Hein. Il est pas sur l'île? D'habitude c'est gros et ça se voit de loin, dominant, je suis pas folle. Donc faut que je lui parle à lui là, mais ça veut pas lui parler. Je le trouvais gros lui, mais je peux rien faire avec. Ah si, ça marche. Bah tout à l'heure ça marchait pas. Je vais tourner autour et j'ai essayé de lui causer, ça marchait pas. Ok. Merci. Me sauve Momo. Lui dominant. Voilà, là ça a plus une gueule de dominant. Il est stylé, hein. Oyakata. Pour le pouvoir du prisme lunaire, hein, transforme-moi. Hop, comme d'habitude, hein. J'ai trouvé leur moule. Ouf. Ouh, t'as pris cher. Il t'en refait un comme ça, t'es morte, hein. Bah, il avait faim. Hein. Pas paralysie, vous êtes chiant. Allez, Nymphali, un effort. Oh bah. Ou pas. Ou pas. Mmh. On va envoyer la modératrice là. Elle est trop mignonne. Franchement, il y a plein de nouveaux Pokémon que j'aime énormément. Je suis vraiment, vraiment satisfaite au niveau des nouveaux Pokémon qu'on a pu avoir. Suffit les conneries là. Il a l'air tellement vénère avec son regard là. Ah, trop bien! Ah, franchement, ouais, ils ont. Je trouve que l'effort sur le design des Pokémon a vraiment été super. C'est pas mal. Hein. Ils sont rigolos, ils sont jolis. J'aime bien. Bon, on va peut-être soigner notre pauvre Nymphali, Bichette. Est-ce que je viderai pas un peu mes potions? Ça va être long, mais au moins. J'ai un peu trop de ces conneries-là, hein, quand même. Hein. Un petit peu de ménage. Mais ouais, hein, je suis agréablement surprise. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant de nouveaux Pokémon en fait, qui m'ont plu. D'habitude, il y en a toujours quand même un ou deux, mais là, de manière générale, ils me plaisent quasiment tous en fait. C'est très cool, je suis très contente. Il est reparti, c'est ça? Il est reparti. Ah, ça m'a débloqué un point de TP là-bas en plus. Let's go! Et après, j'irai bien explorer tout là-bas parce que j'ai pas du tout été par là. J'ai capturé aucun Pokémon dans le coin aussi. Eh ben, c'est pas lui là? Ah non. Ah bah non, lui qui reste à grotte. Ah, faut que je reparle encore à un petit. Ah ouais? Ah trop bien! Merci Yaz! Ah bah ça y est, Pepper, encore. Tenebit, t'as trouvé le dominant? Non.
Et lui, le dominant fourbe dragon, c'est un énorme dragon. Ou pas du tout, en fait, c'est carrément un Pokémon poisson. Oui. Une baleine. Il est. En fait, il allait chercher le petit Pokémon qui allait chercher le truc et qui allait lui ramener dans la gueule. Le sushi, il s'est fait gober par le gros dominant. C'est quoi cette chaîne alimentaire? Let's go! Et hop, on va mettre ça. La chaîne alimentaire, ça m'intéresse à fond. Ce combat aussi, on va gagner sans sushi. Lol, je fais de l'humour. Drôle. Rigolez, s'il vous plaît. Pitié, Pepper. Et puis j'aime bien. Au début, je trouvais ça un petit peu naze, la terra cristallisation. Et finalement, je trouve que c'est très intéressant. Et graphiquement, c'est plutôt joli. Donc, j'aime bien. Après, on aura fini la quête de Pepper, en tout cas pour le moment, parce que bon, on avait fini les trucs de la Team Star, ça nous a débloqué un combat ultime. Là, je sais pas si on va voir un truc ultime avec, on verra. La découverte. On va le faire. Je crois que c'est un des rares dominants sur lesquels j'ai pas autant galéré. Enfin, j'ai pas galéré quoi. Parce que moi, ça m'avait quand même mis un peu la misère. Là, ça va. Il y en a eu un, je sais plus c'était lequel, le Pokémon de Pepper, il s'était fait détruire. Genre, Pepper, il avait plus de Pokémon, je me suis retrouvée solo. Tenebion, on a réussi! Oui. Maintenant qu'on a battu le dominant, à nous les pistes. Qu'est-ce que c'est que ça que passe? Oh bah, il s'était pas fait manger celui-là? Aussi dominant! Ouah, ça craint, il a l'air de vouloir se battre lui aussi. C'est un aussi un dominant. Trop drôle. Original ça, ça c'est cool. Il est mignon celui-là de Pokémon, j'aime bien aussi. Par contre, j'ai plus ma terra cristallisation, ça c'est nul. Ça fait mal, hein. Oh, je suis un peu moins motivée par la ligue après. Je suis archi motivée pour aller péter la gueule à Cassiopée. Mais j'ai un peu la ligue. Pff, je sens que ça va me gonfler. Ah, bah bravo, Pepper! Waouh! Ah bon, normalement, si, ou je me gourre? De quoi tu parles? Que j'ai loupé quoi? J'ai dit un truc et je me souviens plus? Ah, bah peut-être, j'ai pas fait gaffe. Mais il me semble que tu peux faire qu'une terra cristallisation si tu vas pas la recharger. Ou alors il me l'a rechargé, Pepper, entre temps. Bizarre. Et bon, c'est fini là. Ouf, bien joué, Tenebi, t'as assuré. Bah, c'est toi qui l'a niqué à la fin. Hein. Qui aurait cru que le dominant fourbe dragon était en fait deux Pokémon? Allez, petit sandwich. Le petit Pokémon est sorti de cette grotte, tu comprends ce que ça veut dire? Il doit y avoir une épice secrète à l'intérieur. Allons-y, Tenebi. Oui, bah comme d'hab. Hein. Ah, Pepper, au bout d'un moment, tu cesses de me surprendre et je pense qu'entre nous, ça va pas pouvoir continuer. Hein. Y a aucun renouveau, c'est un peu chiant. Hein. Allez, petit sandwich. La voilà, la dernière épice secrète.
Elle est goût quoi? Corsé. Alors, que nous dit le bouquin à son sujet? L'épice secrète corsée stimule le métabolisme. Ça dit qu'elle agit sur le système cardiovasculaire et aide le corps à mieux éliminer les toxines en lui faisant produire plus de sueur. Super! Il va me faire bouffer un truc et va me faire transpirer, génial! Moi, je me suis motivée à retourner sur FF, Yas, pour aller faire l'event que j'avais pas fait encore. J'ai eu la flemme. J'ai un peu la flemme de FF en ce moment. Je pense que c'est parce que j'attends trop la prochaine mise à jour. Et que là, ce que j'avais à faire sur FF récemment, c'était monter mes métiers de craft, alors bon, j'étais pas très très motivée. Mais du coup, ouais, j'ai fait l'event tout à l'heure et j'ai récupéré la petite monture. Elle est mignonne. Bon, allez, on va nous faire un sandwich qui va nous faire suer, c'est génial. Et voilà, c'est prêt. Les sandwichs ultimes de Pepper, un délice nutritif aux épices. Et voici ton badge, mon ami. Serre-le contre toi pendant que tu te régales. Et voilà. Ah, ça a l'air très bon, Pepper. Très très bon. Allez, croque-mobilette. Agrougrou, j'ai faim. Bah tiens, tiens, bouffe mon sandwich. Fais ta petite mise à jour, là. Ce nouveau DLC. Escalade. J'en étais sûre que ça allait être un truc comme ça, je suis trop contente. Bon, est-ce qu'on va le réparer un peu, son petit ogrino, parce que Bichette, il a l'air tout gentil en plus, il est trop mignon. Tiens, Dogrino, mange ça. Tu vas le faire suer un coup, là. Ça va te faire du bien, je te jure. Tenebi et moi, on s'est donné à fond pour toi. Pour que t'ailles mieux. Et tu verras, on rejouera la balle ensemble. Comme avant. Bon, oh, Bichette, ça me fait trop de peine. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles mieux, s'il te plaît. Oh, c'est long. Oh, c'est si long. Ah, plus de chien. Allez, hop. Waouh, mais c'est vraiment très long, là. Ah, ça y est. Dogrino. Waouh, mais c'est... Vous voyez, c'est le genre de cinématique qui aurait dû avoir un doublage. Hein. Tu t'es accroché, t'as jamais perdu espoir. Je suis si fière de toi. Il joue la baballe. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Oh, j'adore. Il est trop mignon. Oh, c'est si bon de te retrouver. Mais oui. Et oui, il y a des cinématiques comme ça qu'ils ont implémentées et qui sont vraiment sympas visuellement. Et je vous jure, ils ajouteraient un petit doublage. Ce serait trop bien, quoi. Ça manque un doublage en Pokémon, en vrai. Hein. C'est qui m'appelle? Allô, Tenebi, ici Touroum. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, lui. Miraidon semble avoir retrouvé tous ses pouvoirs d'origine, hormis celui de se battre. Il peut désormais grimper aux parois lorsqu'il est sous sa forme monture. Vous appuyez sur le bouton B pour sauter sur une paroi en face de vous, pourrez l'escalader. Utilisez ensuite le stick gauche pour vous déplacer librement sur la paroi. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour lâcher prise. Mais quel bonheur! Mais ça va être génial! J'ai eu raison de te faire confiance pour cette mission, Tenebi. Vas-y, balance-toi des fleurs pendant que tu y es.
Cette voix fait peur, c'est bien toi? Je cherchais un moyen de te contacter depuis si longtemps, car tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague? Rends-toi au laboratoire du phare sur la route de Kushalaga avec Tenebi. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. Ah! Donc on a encore des trucs à faire. Et papa? Oh, c'est long. Tu le sais peut-être déjà, mais en fait, le professeur, c'est mon père. Oh non! Encore un truc du scénario dont on n'en avait aucune idée. Pouloulou. Il était jamais à la maison, toujours occupé, trop occupé par ses recherches. Ça faisait des années que j'avais pas entendu sa voix. Et t'as vu comment il traite son fils après tout ce temps? C'est comme un vulgaire larbin. Et où le respect? Ça se fait pas, sérieux. Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au labo avec Miraidon, pas vrai? Pas de gaieté de cœur, mais bon, je veux bien t'accompagner. Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kushalaga. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Allons-y maintenant avant que je change d'avis. Ok, ok. C'est vraiment lui? Ah oui, complètement improbable. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très choquée. Hein. Oh là là, oh là là. Oh là. Ah, je croyais que je marchais sur l'eau, donc tout va bien. Direction de laboratoire, oui. Mais attendez, j'ai envie d'essayer mon nouveau jouet, moi. Oh. Oh, c'est si bien. Incroyable. Vous, j'ai des choses à faire. C'est le premier de cette zone-là, je crois. Ouais, ouais, let's go. Moi, j'ai envie de libérer les monstres et de détruire la planète. C'est mon objectif ultime. Hein. Est-ce que je vais quand même faire un petit tour là-bas? Parce que bon, j'avais dit que j'étais pas mal intriguée par cette zone-là, quand même. Je pense que je vais aller faire un tour, hein. On va aller se balader un peu. Maintenant qu'on peut grimper, on va pas se faire chier. Hein. Ah, moi je sais, nananer, nananer. Est-ce que je te le dis ou pas, Yaz? Oh, ça grimpe. Mais c'est si rapide, mais c'est tellement bien. Mais quel bonheur. Mais c'est le meilleur pouvoir, celui-là. Vraiment. Hein. C'est mignon, ici. Pour être hosté. Adorable. J'aime bien. Oula. Attendez, j'ai eu un... C'était un bug, mais c'était... Attends, je peux le refaire ou pas? Non, ça le refait pas. Ah, c'est dommage, j'étais en train de grimper la... Ah, j'avais fait un bug, ça grimpait le truc. Trop déçu. Ce truc à ramasser, j'ai vu un petit peu les Pokémon qu'on a là. Je crois que je prenne le temps. Oh, je t'adore. Je crois que je prenne le temps de venir les capturer pour remplir. Ah, ça peut être utile. Je sais pas si t'as fini tous les cours à l'école et si t'as reparlé à la prof d'histoire en fait. Attendez, j'ai vu un tentacule de la terre. J'en avais jamais vu encore. C'est un peu
incroyable. Je savais qu'ils existaient, mais je les avais jamais vus encore. Je crois qu'une fois, il y avait Pepper qui en avait joué un, mais j'arrivais pas à le voir avec ma caméra. Bah c'est pour ça, alors continue l'école et tu apprendras des choses, hein, parce qu'à l'école, on apprend des choses. Mm-mm. Moi, ça y est, j'ai tout fini. Mais voilà. Terra cool. Trop bien. Il ressemble à un tentacool, mais il n'en est pas un. Malgré leur finesse, ses pattes lui permettent de courir à une vitesse de 50 km/h. Ouais, quand même, hein. Il est trop moche. Ouais, c'était long, hein. C'était vraiment très très long. Mais franchement, je suis contente de l'avoir fait. Au moins, c'est fait, j'en parle plus. Elle est jolie, cette zone, j'aime bien. Par contre, elle a l'air d'être complètement abandonnée, la zone. Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de centre Pokémon. Il y a des ruines, là-bas. Un peu à l'abandon, quoi. Je vais vite faire un petit tour, mais on va aller voir Pepper. Ah, je vais pas ramasser le truc au passage. Et coucou, Spectra! J'avoue qu'il est cool, hein, le prof d'éducation domestique. Par contre, vraiment, le prof de langue, là, pitié, mais achevez-le, faites quelque chose. Hein. C'est pas possible. Je peux escalader ça ou c'est que les parois Ouais, non, je peux pas escalader ça. Hop. Oula, il y a un Dogrino pas content en bas. Maxi pépite, la thune. Toujours plus. Ah. Je voulais pas me battre contre toi, mais écoutez, son en route. Oui. Son design est très sympa. Non mais je l'aime bien, il est rigolo. Je trouve qu'il est vraiment gentil en plus comme prof. Et moi j'aime aussi énormément la... Comment ça s'appelle ? L'infirmière scolaire, elle est super stylée. Et elle est toute gentille. Ça c'est fait. N'en parle plus. Moi je l'aurai jamais mon colis. Hein. Ou alors il va se ramener à 18h le gars. Je suis à combien là sur mon Pokédex? Parce que ça avance, hein, je suis à 227. Ah, j'ai peut-être des cadeaux alors. J'ai pas vu. Bon bah je pense qu'on va aller faire... Ouh, c'est quoi ici? C'est bizarre comme endroit. Bon allez, on va aller voir ce que me veut Pepper. Enfin, pas Pepper mais Touroum du coup. C'est où? C'est vrai que je peux pas faire de gros dézooms. C'est là-bas. Est-ce que je passerai pas vite fait au centre Pokémon quand même? Ouf, non, allons-y. Non, je veux pas. Je veux me TP. Voilà. Ça avance petit à petit. Ouais, j'ai trouvé ça très très sympa qu'on ait plusieurs quêtes différentes. Bon, on les fasse tous au final, mais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, du coup c'est agréable. Après je sais pas ce qui se passe après la ligue et tout, mais... Comment t'as fait pour arriver avant moi, Magic?
Enfin bref, voilà le labo de mon père. Je venais souvent ici quand j'étais gamin. Je me demande bien pourquoi il nous a demandé de venir. Je vais ouvrir. Ne me dites pas que c'est un bâtiment dans lequel nous allons pouvoir rentrer. Tout le monde raconte que mon père est un vrai génie, un professeur de talent, paraît-il. Et pour élever son propre fils, c'était pas le même délire. Il rentrait jamais à la maison, trop obnubilé par son fichu boulot, dans son fichu labo. J'ai aucun bon souvenir de lui, il jouait jamais avec moi. Oh, ça me fait trop de peine. Bon, lui, il a pas de chance, Pepper. Dogrino, lui au moins, il a toujours été à mes côtés. C'est bon, c'est ouvert, allons-y. Mais en même temps, oui, on va pouvoir rentrer dedans, c'est une des seules portes qui a une poignée. Qu'on en finisse vite, je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire. Incroyable, une porte avec poignée qu'on peut ouvrir et rentrer dans un bâtiment. C'est fou, ça. C'est rare, hein, faut le noter. Hein. Mais gris, oh là là. Waouh, c'est un labo, ça? On dirait un squat, c'est effrayant. J'ai besoin de votre aide. Bonjour. Évidemment, devinez ce qui se passe. Je me fais appeler. J'ai un colis, je reviens. Ah, j'ai couru. Ouh, c'est bon. Tout ça pour des pantoufles corgi, hein. Je vous le dis. Hein. Je m'auto-balance. Mais c'était évident, de toute façon, que... Ah, je suis soufflée. Que le livreur allait m'appeler au moment où on avait une cinématique sur laquelle on ne peut pas mettre pause, bien entendu. Hein. Bon, allez. Ah, normalement... Je suis soufflée, je suis désolée. Normalement, ça va le faire. Donc, si je refais... J'ai en cours. Ok. Ah bah si, c'est bon, ça aurait pu bloquer. Ah, j'avais pas. J'avais peur que ce soit encore en mode ça passe tout seul. Nickel. Bon. Je me trouve en ce moment même dans le cratère de Paldea, au plus profond de la zone 0. Ah, faut que les livreurs ils arrêtent de me faire courir comme ça, c'est pas possible. Hein. Depuis tout ce temps, je poursuis des recherches sur des Pokémon uniques en leur genre. Mais pour atteindre la dernière étape des brillants travaux du professeur Touroum... Non mais ça va, tu jettes des fleurs là. Ah non mais il est insupportable. Votre aide m'est nécessaire. La dernière étape?
Pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire. Il s'agit du livre violet. Oh ! C'est le livre que la prof nous a dit. Un livre ? Tu parles de celui-là ? Tu l'as donc déjà en ta possession, Pepper. C'est parfait, cela va nous faciliter la tâche. Je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone zéro. Je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau des trésors. Ah, ça me hype, moi je veux y aller dans la zone zéro. Toutefois, je dois vous prévenir que la zone zéro est protégée par de dangereux Pokémon, ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé. J'ai bien peur qu'avec 2, vos chances de réussite soient minimes. Donc je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons. Je dois vous quitter, j'attends votre venue dans les profondeurs, de la zone zéro avec impatience. Oh, du pain, on va devoir emmener Menzi avec nous. La zone zéro. Ça craint. C'est là-bas, au fond du cratère, que Dorino a été gravement blessé. Franchement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Ah, donc tu as déjà été, toi. Tu vas y aller, toi? Bah ouais, de ouf. Allez, viens! C'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil. Oh, et puis zut. Je peux pas laisser une amie partir seule dans un endroit aussi dangereux. Oh, c'est mon amie. Trop bien. Je vais venir avec toi. En plus, j'ai 2 mots à dire à mon père. Allez, Tenebi, sortons d'ici et faisons un combat. Oh non! Ne fais pas comme Menzi, pitié! J'en peux plus, moi! Avant de partir, faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone zéro. Enfin, surtout moi, allons-y. Oh non! J'aime pas les combats. Oh, je peux fouiller. Les données scientifiques sont affichées sur les écrans. Je peux rien voler? Quel dommage. Quel mystérieux appareil, mieux vaut ne pas y toucher. Bah si. On dirait vraiment un squat, hein. Putain. Pour marquer le numéro de mai du magazine mensuel Occulture. Voulez-vous le feuilleter? Bon, oui. Un article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 5. Paume de fer, un cyborg déguisé? Son nom provient de celui d'une entité dotée de paumes de fer mentionnée dans le plus mystérieux ouvrage de notre ère, le livre violet. On raconte qu'avec ses mains indépendantes de son corps, il a réussi à stopper un gros véhicule qui roulait à toute allure et à le lancer au loin. Concernant sa véritable origine, beaucoup pensent dur comme fer qu'il s'agit d'un athlète qui aurait été changé en cyborg pour survivre à une blessure mortelle. La raison pour laquelle il a pris les traits d'un Ariyama demeure néanmoins un mystère. Et là, il y a un autre truc à lire ou... Avril, let's go. Du lore. Garde de fer, le résultat d'une expérience qui a mal tourné. Son nom provient de celui d'une entité. C'est compliqué à lire, c'est bizarre. Mentionné dans le mystérieux livre violet, une théorie raconte qu'il s'agirait d'un robot, créé par un savant fou qui cherchait à donner vie au plus puissant des Pokémon psy. Les rares personnes qui ont eu la chance de voir cette étrange créature racontent qu'elle ressemble à la fois à Gardevoir et à Galam. Ils la décrivent comme un être cruel qui n'hésite pas à découper en morceaux ses adversaires à l'aide de sa lame de lumière. Tu l'es. Cadre photo est vide. Des livres illustrés pour enfants racontent comment on a préparé un sandwich géant. Ah bah, je sais d'où ça lui vient, tiens. Aliment périmé, un lavabo. Et un petit papier là, c'est quoi? On peut pas lire. On a fait le tour, hein. Ok, et bah, ciao. J'ai envie de me battre contre Pepper. Mais il m'attend. Peut-être aller soigner mes Pokémon avant. Ouais, c'est pas long. Allons-y vite fait. Bah, je pense qu'on va faire Pepper, puis après on va faire Cassiopée, et puis j'irai voir Menzi. Hein.
Après, je sais, vu qu'il parlait d'emmener des amis avec nous, je suis pas sûre de pouvoir aller tout de suite à la zone 0 tant que j'ai pas fini le truc où Menzi m'attend. Mais bon, on verra après. C'est pour boire un petit coup. Ah ben voilà. Let's go. Allez. On se battait contre Pepper, espérant qu'il me dégomme pas. En vrai, je sais pas trop ce qu'il a comme Pokémon, j'ai jamais fait gaffe à ce qu'il envoyait. Alors Tenebi, t'es prête à te battre? Oui, bah j'ai pas le choix de toute façon. Parfait, toi aussi t'es prête, Dogrino? Wafou, 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 wafou. Hé, il dit qu'il est prêt à en découdre. Tu vas envoyer Dogrino au combat? Ouais, je comprends pourquoi t'es inquiète pour lui. Mais je t'assure qu'il est en pleine forme, c'est comme s'il avait jamais été malade. Il réclame qu'une chose, se battre contre toi. Super, merci. Hein. Tu sais, à la base, il adore les combats, même s'il a jamais fait le poids contre la déléguée. Bon, alors attends, si son Dogrino il est plus nul que Menzi, je devrais m'en sortir. Bref, t'as pas à t'inquiéter. Maintenant que les épices nous ont requinqué, c'est le retour du duo de choc. Et tu vas goûter à notre force. Viens, Peter, calme-toi. C'est énervé, lui, hein. Tu vas affronter des Pokémon que j'ai rencontrés pendant notre chasse aux épices secrètes. Ok. Bah, tout pareil. Et niveau 5 quand même, hein. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Je m'attendais pas à ça. Peut-être falloir que je fasse un petit peu d'XP. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe. Je sais pas, ça va être niveau combien du côté de Cassiopée. Peut-être me faire rouler dessus. La musique, elle est très cool. Let's go, mais vraiment, mes peaux marmottes, mais c'est le best. Elle est très cool, la musique. J'aime vraiment beaucoup. Lui aussi, il a un Pokémon Minecraft. C'est le copieur. Par un petit tunnel. Ah. Ça, c'est pas cool. La seule attaque qui peut me faire mal, quoi. Un peu la merde. Ah, c'était sûr que bon, comment dire, bichette. Est-ce que je prends Forgelina qui est niveau 54 ou est-ce que je triche un peu avec magie florale? Oh allez, on lui montre c'est qu'il bosse, hein. Il est 62 son truc, hein. Il est vraiment au level lui. Hein. Il va falloir, je pense que pour peut-être Cassiopée et tout là, peut-être falloir que je fasse quelque chose, hein. Il y a un problème. Hein. Ouais, c'est level là, enfin, pas du tout. Après, quand j'ai joué de mon côté, j'ai fait quelques raids et j'ai quelques bonbons et tout, donc je vais peut-être nourrir mes petits bébés. Parce que là, ça prend du boudin, comme on dit. C'est bien le prochain que tu m'envoies à la gueule là, parce que... Ah merde, c'est vrai que c'est un machin, il est de type feu aussi, c'est un feu plante. C'est un peu de la merde. C'est un peu fort la merde, je crois que j'ai rien en plus. J'ai carrément rien. Et il est niveau 60. Bon, on va serrer les fesses, hein.
vrai que j'ai gardé Nymphalie dans mon équipe, j'aurais pas dû. J'aurais dû remettre mon Pokémon un petit peu là. Bon, ah oui, mais alors bruit au chien, c'est mignon, mais. Oh là là, la galère. Ouais, j'ai oublié de changer complètement mon équipe, j'étais ailleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des Pokémon aussi puissants, je vous avoue. Il va tous me les one-shot en fait, c'est un enfer. J'ai vraiment rien en fait. Parce que là, pareil, il me roule dessus. Lui, avec son level, il me roule dessus. Elle, elle sert à rien. Oh, au pire, écoutez, je le laisse me buter. Et puis comme ça, je change mon équipe. Parce que là, vraiment, ça va pas le faire. J'aurais pas dû garder Nymphalie, en fait. Là, il a trop de Pokémon pour que j'insiste. Je vais le laisser m'avoir au fur et à mesure. Je suppose qu'on ne peut toujours pas fuir un combat contre un dresseur. Ah, d'accord, il est amoureux. Super. Pour le moment, ça passe, hein, mais je pense que ça va pas le faire très très longtemps non plus. Parce que bon, j'ai pas énormément de... Non, pour le moment, je suis grasse avec elle. Elle va peut-être me servir à soigner des trucs, parce que là, c'est un peu la misère. Ouah, mais j'avais pas vu encore lui, du coup. Trop stylé. Je voulais faire un petit peu de heal. C'est bon quand même. Hein. Il est rigolo, il a vraiment une gueule d'alien, j'aime bien. Bon, par contre, je sais pas trop c'est quoi ces types. Je doute, mais je crois pas avoir. Au pire, je vais sacrifier Briochi. Je suis désolée. Je vais aller soigner Flemme. Hein. Mais ouais, je m'attendais pas à un tel level de la part de Pepper. Je suis surprise. Hein. Est-ce qu'il est mignon lui aussi? Je vais à fond, comme on est sûr. Il adore Briochi, j'adore. Mais ouais, Pepper, tu me surprends, mais je me dis du coup, s'il est censé être moins fort que Menzies à ce niveau-là de l'aventure, je pense que Menzies me roule dessus maintenant. Hein. Moi j'ai peur, hein. Bah c'est comme pour l'espèce de trio piqueur, là, trio pico. Ah ouais, non, mais c'est infâme en fait. Je peux rien faire moi face à ces Pokémon. Il va falloir que je les level up, hein, c'est pas possible. Il est rigolo, Terra Cruel, moi je trouve qu'il a une bonne bouille. Oh là, mais tu veux que je fasse quoi? C'est la misère. Juste m'en servir pour soigner Flemme là, mais c'est chaud hein. Si j'arrive à le faire d'un coup ce combat, franchement miracle. Sinon c'est pas très grave hein, de toute façon. Je vais faire un petit ventu baiser. Bisous bisous. Il fait mal. Hein. Je pense pas réussir ce combat honnêtement. Il lui reste quoi de Pokémon? Moi, il m'en reste plus qu'un. Il est pas full life.
en plus. Pardon. Bon, il va m'envoyer deux grinos maintenant. Il va le terra cristalliser à tous les coups en plus. Oui, belle terre à cristalliser quoi? Ça, la question que je me pose. J'essaye. Montre-nous que tu respires la santé, mon beau Dogrino. Terra cristallisation! Let's go! C'est sympa. Hein. Quoi ça? Je connais pas ce logo. Ténèbres. Peut-être. Ouais, bon, bah j'ai perdu, hein, les gars. Je veux bien essayer de m'accrocher, mais au bout d'un moment... Ah non, mais regardez, je peux rien faire, c'est infâme. Bon, c'est pas grave, on va arrêter là. On va abandonner le combat. On va changer un peu mon équipe, parce que c'est vrai que j'avais gardé les Pokémon pour le truc de type dragon, du coup c'est un peu la merde. Et on va faire XP quelques Pokémon, parce que là c'est pas possible en fait. Allez, prends ma thune pour une fois. Je crois que c'est la deuxième fois que je perds un combat au total. Quand même. Mais je m'attendais pas à un tel level de la part de Pepper. Genre, je pensais que ces Pokémon, ils allaient peut-être être, ouais, 50... Et 55 grand max. 60, mon gars. Il a bien bossé. Alors, on va faire un petit peu de changement, là, du coup. Où je récupère certains Pokémon. Il est où ? Pas du tout où ils sont, les Pokémon. En plus, c'est un enfer. Ouais, donc lui, pareil, il va falloir que je le up un petit peu, parce que ça va pas du tout, ça. Et il me faudrait un Pokémon de type eau. Alors, hop. J'aime bien avoir la base, quand même. Plante feu eau. Où est-ce qu'on avait? Il va falloir... Velle, ça va pas du tout, hein. Velle, ça va pas du tout. C'est la merde. Ah bah si, j'ai Aqualie, que j'aime bien. Peut-être prendre Aqualie. Allez, je vais lui faire bouffer des bonbons. Veut des bonbons. Bah déjà, j'ai 3 super bonbons à donner. À 3. Toi, tu seras au moins niveau 50, c'est bien. L'âme en peine, qu'est-ce que c'est que ça? Le lanceur concentre son amertume du monde des vivants dans la pointe de ses épées et tranche la cible. La moitié des dégâts infligés sont convertis en PV pour le lanceur. Pas mal, ça. Puissance 80 et puissance 90. En plus, ça me heal, c'est pas mal, non? Ça a l'air de faire mal et ça heal. Il est plus fort en attaque normale qu'en attaque spéciale, donc... Let's go, hein. En plus, ça a l'air stylé comme attaque. Je suis pressée de l'avoir. Du coup, on va devoir donner des caries à... Avec Quali, là, ça va pas le faire.
trop. Hein. Pas sûr d'y arriver, hein. Anneau hydro. Là, c'est PV. Ouais. Peut-être servir ça. Ok, alors les bonbons M, je vais pas tout lui donner. Je vais lui en donner déjà 11. Je pense que ça lui fait. Ouais, niveau 43. Au croupon. Ah. Ah si, au bouse, ouais, c'est ça. Ouais, un peu la flemme. Hop. Je vais lui en redonner 10. 48, c'est toujours pas suffisant. Je veux qu'il soit au moins niveau 50. P7, c'est niveau 51, c'est très bien. Ok. Ouais, on va le pistolet à eau. Hein. Ça avance. Là, j'ai plus que des bonbons L. Alors, tout est au-dessus du niveau 50. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal envie de booster Flemme. C'est quand même le Pokémon que j'utilise le plus. Donc je vais lui en donner 3 déjà. 57, c'est pas mal. Et les deux derniers, je vais les donner à Malvalam. Parce que je l'aime bien aussi. Là pour le moment, malheureusement, j'ai pas grand chose de plus. Donc on peut juste tenter comme ça. Hein. Par contre, je sais plus c'était quoi le premier Pokémon qu'il avait lancé. Je crois que j'avais lancé Pomarmotte en premier. Je verrai. Première combi. Il est par où? C'est par là? Non, c'est pas par là. Je suis perdu. Oui, c'est carrément par là. Bon! Ah oui, c'est par là même. On va peut-être y arriver cette fois. Ça serait bien. Mais ouais, je me dis, si lui, il n'arrive pas à le battre, je suis clairement pas prête pour la ligue. Hein. Ça va être compliqué, hein. Il va falloir que je farme, hein. Du coup, je suppose la ligue vaut mieux être niveau 60, voire 65 à peu près. Hein. Enfin, si je fais une estimation par rapport à son level à lui, en fait. Vous voulez me retaper toute la discussion? Oh là là. Oh bah c'est bon, oui, on sait qu'il est en pleine forme. Et pareil, du coup, Cassiopée, je sais pas ce que ça donne. Va falloir qu'on voit, hein. On ira tester, hein. Puis si elle me défonce, eh ben, j'irai rechercher des bonbons. J'irai faire des combats contre des dresseurs. J'irai tabasser des Pokémon qui donnent de l'XP, là. Il faut faire ça aussi, hein. Former des Pokémon, hein. Elle est vraiment cool, cette musique, par contre. Je l'aime vraiment bien, hein. Bon, ce qui est bien, c'est que je les ai tous vus au moins une fois maintenant. Du coup, je sais ce qui est fort, ce qui est efficace ou pas contre eux, quoi. Sans que j'ai à réfléchir, parce que j'en ai un que je connais pas forcément. C'est mal, ça. Le problème, c'est que j'avais fait avec lui un gigancelle, mais le souci, c'est que, comment dire, il m'a un peu roulé dessus, quoi. Du coup, je pense que je vais écouter Forgelina, puis je vais taper avec le marteau. Pardon. Qu'est-ce qu'elle est mimi en plus. C'est quoi brise moule? Ah, piège de roc, c'est un enfer ça aussi. Bon, comme je peux pas relancer, je me demande si je fais genre un soin. Est-ce que ça me permet de relancer après le marteau mastoc là? Je vous teste.
suis pas censée pouvoir le lancer deux fois d'affilée, mais comme là j'ai fait un soin, peut-être ça passe. Ouf. Bon, on va voir. Non, il peut pas. Dommage. Non, je voulais pas faire ça. Et bah du coup, on va faire un petit câlin. Ça va pas suffire quoi. Faut que je change de Pokémon. Alors qu'on prenne Pomarmotte, et Pomarmotte ça devrait faire. Cette fois je me fais pas chier à me mettre sous terre parce qu'il va me refaire séisme, ça sert à rien. On va directement lui coller une balayette hein. Elle est vraiment vraiment cool cette musique hein, ça je pourrais la mettre dans ma playlist et l'écouter hein. J'aime bien. Je ne suis pas encore écouté toutes les musiques du jeu parce que je voulais pas forcément me spoil, mais pour moi c'est... C'est agréable hein. Alors je me demandais juste Terra qui peut y aller. Pourquoi? Parce que... Maintenant que je l'ai vu. Terra cruel. Il est seule plante. Ah, bien ce que je me disais, j'avais un doute. Mais du coup, s'il est seule plante, je vais être un peu embêtée. Ok. Et parce que je peux pas. Le Pokémon O, ça va servir à rien. Ou bah, je peux peut-être juste. Oh, bon, on va tester Malvalam au pire. Avec la Mampaine. J'ai pas vu encore son attaque. Il est stylé lui aussi, je l'adore. Faire une petite lamentaine, montre-moi à quoi ça ressemble un peu. C'est stylé et ça fait très mal en plus. Et ça me heal. Et ça c'est incroyable hein. Je vais faire dodo. Ah non hein. Ça c'est pas bien. Il est où? Réveil. Il fait les conneries. Au bout moment faut arrêter. Hein. Oh là là. Oh non, il l'ont fait deux fois. Oh, je suis trop deg. Je pensais que j'aurais le temps d'en refaire une. Tant pis. Bah, je pense que je vais mettre Mini Draco, mais juste pour qu'il tank, le temps que je reçoigne Malvalam, hein, parce que... Je mets... Ouais, on va faire ça, on va aller soigner Malvalam. Honnêtement, je garde Mini Draco uniquement pour qu'il évolue. Hein. Ah, j'ai pas de rappel max, ça c'est hyper chiant aussi. Terriblement mal. Hein. C'est compliqué. Hein. Là, franchement, je suis dans la merde, comme on dit. Hein. Je peux pas lui mettre ça non plus. Je vais faire venir Malvalam, mais c'est compliqué, quoi. Après, je peux le faire venir et le soigner tout de suite, tu me diras. Je vais mettre un max soin là et puis. Il me pose des problèmes, hein, Pepper. Vraiment. Attends, j'ai pas le level face à lui. Hein. Ça aide pas, hein. Ça, ça fait mal, hein. Ah ouais, non, mais je peux rien faire, en fait. C'est infernal. Attends, qu'est-ce qui serait fort contre lui? En fait, j'ai que Malvalam, en fait. C'est infernal. Au pire... Je change, je mets Aqualy, je soigne Malvalam à fond, comme ça elle revient à fond. Mais c'est insupportable. Il me pose vraiment beaucoup de problèmes son Terra cruel.
Et Telluriforce, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Arrête de spammer ça, c'est chiant. Faut que je puisse lui mettre un coup en fait, c'est juste ça. Hein. Et j'ai l'impression que son intelligence à Pepper, elle est meilleure que celle de Menzi. J'ai l'impression qu'il fait gaffe aux attaques qu'il utilise en fonction du type de mon Pokémon, quoi. Depuis tout à l'heure, il spam Telluriforce, et puis là, comme par hasard, j'ai un Pokémon haut, il me fait une attaque plante, quoi. Bon, là, ça devrait le faire. Ah ! Retour. Abri, oui, nous avons changé. Mais je pense au Spectra, du coup. Hein. Mais pourtant, il dit que Menzi, elle est plus forte que lui. Et du coup, je me pose forcément beaucoup de questions, tu vois. Mais même ça, ça le one-shot pas, c'est un enfer. Oh là là, non mais c'est pas vrai, il va m'avoir. Oh mais hey, je vais pleurer, j'en peux plus. Hein. J'aime vraiment pas les combats Pokémon, en plus ils me font subir ça. C'est insupportable. J'ai rien là. Ah si, j'ai peau marmotte. Mais pareil, j'ai plus de Pokémon, j'en peux plus. Il faut que je vois où est-ce qu'on peut choper des rappels max. Ça m'emmerde aussi ça. Attendez, je vais regarder sur internet. C'est quoi le mieux entre balayette et pareil. Vas-y. C'est quoi déjà ce que... Ah oui, c'est le... Oh bah oui, mais du coup, j'ai pas ce qu'il faut. C'est quoi déjà second souffle? Ah. Ah, mais je crois que je choisis pas le Pokémon signe, je sais plus. Si je peux... Ouais, mais j'ai pas de super efficace contre son Pokémon à la con, en fait. C'est vrai que j'ai pas prévu un truc fort face à son truc. Bon, après, ça peut me faire un Pokémon qui va tanker le temps de faire autre chose. Je limite à envoyer quand même Flemme. Ah mais non, parce qu'il a des attaques de type feu, je vais faire quoi? Bon, je quand même reste Flemme. Mais je pense que je vais encore perdre ce combat à la con. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et bah du coup je pense que ça va se finir, on va pas aller voir Bidule parce que ça va être le même genre et on va aller taper les... comment ça s'appelle les Pokémon pour un œuf sur bidon là? Ils donnent de l'XP là. Il va mourir. Hein. C'est incroyable. J'ai survécu. Mais ça aura pas duré longtemps. Je vais essayer de soigner Flem. L'euphorie, le vénard, c'est ça. Alors, attendez. Sac.
On va faire une petite potion max sur notre jolie féminette. Là, c'est compliqué, hein. Compliqué fort, hein. Je pense qu'une fois de plus, ça va être raté. Donc une fois de plus, on va devoir aller faire de l'XP parce que c'est juste la différence de level. J'ai des Pokémon niveau 51, elle en a niveau 60, je vais faire quoi. Mon meilleur Pokémon est niveau 57 et c'est Flem. Et malheureusement, j'ai pas mieux. Le Flem qui va faire des câlins, on fera cristallisation de plantes, je le dis, moi. Et je suis type ténèbres, il va me dégommer, c'est infernal. J'essaye le tout pour le tout, on va dire, mais je pense qu'on va aller tabasser dès le Vénard, on va passer en session XP et puis ça ira plus vite. Hein. Je crois qu'on m'avait filé un 9 chance en plus. Je sais plus. Je crois que ça. Faut que je regarde ce que j'ai comme objet. Mais ouais, c'est mort, j'y arriverai pas. Oh non, puis en plus, il esquive mon attaque. Il va faire quoi? Allez, on va aller faire de l'XP. Ça va partir en changement du titre du stream. Allez, let's go. On retrouve des Levenards. Je vais regarder sur Google où est-ce qu'ils sont. Alors. Levenards. Mais sinon, je peux regarder sur mon Pokédex. Bla 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 bla. Aujourd'hui, ce jambon. Oh, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, attendez, parce que... Comment il s'appelle le Pokémon là qui m'a posé problème là? Qui m'a fait le plus galérer là? On avait le Tentacruel, mais on avait aussi... Attends, ils sont pas là-dedans? Non. Combattu récemment aussi. Scovilin. Qu'est-ce que je peux utiliser pour battre un Scovilin? Parce que ça aussi, c'est un peu emmerdant. Hein. Alors, Scovilin. Hop. Regardez sur Google. Heureusement qu'on a tous les outils magiques maintenant. Alors, sensibilité, poison, vol, roche. Je pense qu'il va être temps de ressortir un vieil ami. Je pense qu'on va, même si je l'aime beaucoup, Mini Draco, et que j'ai envie de le faire XP, je pense qu'il va juste virer de mon équipe et qu'on va aller chercher Minecraft. Il est où? Par contre, ça c'est une très bonne question aussi. Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est infernal que ça mette 10 ans à apparaître. J'en peux plus. J'ai perdu mon Pokémon. Ah, il est là. Enfin, lui, il est niveau 41, donc pareil, il va falloir l'XP un peu. De toute façon, je pense qu'on va faire comme ça. Alors. Et bah, du coup, je pense que je vais le placer en tête. Ça serait dans quoi? Je sais pas dans quoi ils auraient mis ça. C'est les soins, c'est les pokéballs, les effets de combat, c'est les baies. C'est pas là-dedans? Sans doute, oui. Œuf chance, voilà. Toi, tu prends ça, voilà.
Et du coup, on va aller chercher, hop, des levénards en faisant un sandwich. Alors, faut que j'aille peut-être m'acheter des ingrédients, je sais peut-être pas. Qu'est-ce qu'ils disent de faire? Cornichons, jambon blanc, mayonnaise, moutarde. Est-ce que j'ai ça, moi? Mayonnaise, j'ai. Moutarde, j'ai. Cornichons, j'ai. J'avais dit quoi? Jambon. Un jambon, j'en ai encore. Oui, donc c'est bon. Ah bah voilà. Et ensuite, ils me disent qu'il faut que j'aille où? Et donc là... Oh là, je fais une bêtise. Je vais checker où est-ce que c'est qu'il faut aller. Alors, attendez. On va ouvrir le Pokédex. Je vois pas le bon bouton. Je vais jamais y arriver à trouver le bouton du Pokédex. Alors... Là. J'ai pas encore rencontré de l'euphorie. Donc, Habitat. Apparaît très rarement, oui, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on fasse un sandwich en fait. Dans les endroits fleuris dans les zones du nord. Les endroits fleuris dans les zones du nord. C'est vrai que quand on dézoome trop, ça marche pas. Zoom Nord 3, c'est c'était fleuri là-bas, hein. Si je dis pas de conneries. Bah, on va aller là-bas. On va faire un petit pique-nique. On va faire le sandwich. Et puis, on va essayer de se faire des levénards. Et puis, on va essayer de tabasser tout ce qui bouge de toute façon, hein. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, j'ai pas assez d'XP. Donc, il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse des choses. Donc, let's go. Je m'attendais vraiment pas. Je pensais qu'il allait être, ouais, niveau 55 grand max, quoi. Il est très fort, le petit Pepper, hein. Faire un petit sandwich. Ah oui, c'est vrai. Hop. Le terrain n'est pas assez plat. Tu m'emmerdes. On va aller là-bas. C'est plat là-bas. Hop. Let's go. Là, c'est bon. Nickel. Oula. Oulala. Oulala. Ouais, mais est-ce que j'avais encore des pics? Je crois que j'avais encore des pics. Hein. Ça bug. C'est quoi qu'il fallait faire comme sandwich? Sandwich au jambon. Est-ce que je laisse cette recette au moins? Pas sûr. On va le faire nous-mêmes. Si je fais le mode créatif, je crée moi-même mon sandwich, hein, c'est ça? Et re-yaz. On va essayer. Alors, cornichon. Ok. Jambon blanc, mayonnaise, moutarde. Jambon blanc. Ah, attends. On cornichon, jambon blanc, mayonnaise, moutarde. Ok. C'est ma dernière pique. Il faudra que j'aille en rechercher, du coup. Attends, ils ont mis que ça, là? Oh, la tristesse. Trois pauvres bouts de cornichons. Parfait, ça. Mais du coup, Yas, toi qui reviens maintenant, je me suis que roulé dessus deux fois par Pepper, du coup ça me gonfle, je vais XP.
Oui, j'ai vu. j'ai vu. Je crois que c'était tombé sur mon TikTok celui-là. Et là, je suis en train de suivre un tuto. Là, il faut que je dégomme les levénards pendant une demi-heure. Les levénards, et apparemment, ça marche aussi avec les aquaquacs, même s'ils rapportent un peu moins d'XP. Aura rencontre normale, c'est pour ça. Ok. Bon, bah, let's go, hein. Allez, les gars, on va se battre. Parti pour du farming, là, j'en ai marre des conneries. Ah bah, regardez. Oh non, mais il y a un levénard en face, là. C'est quoi, ça, champ herbu? Pendant 5 tours, les Pokémon au sol récupèrent quelques PV à chaque tour et la puissance des capacités de type plante augmente. Mais est-ce que ça donne aux Pokémon en face, ça? Je connais pas du tout. Je crois que je demande à Mister K.O. Pro Player Pokémon. Bah, Pepper, il fait mal. Vraiment mal. Alors, hop. Ah oui, donc un peu la flemme. Ah oui, il y en a plein du coup, des levénards, c'est trop bien. Ah ouais, 6000 d'XP grâce à l'œuf chance, ça vaut grave le coup. Hein. Je me mets bien. Hein. Elle est bien cette technique d'XP, j'aime bien. Regardez tout ce qu'il y a là. Bah ouais, mais tu vois le sandwich, il coûte pas cher et t'as vu tous les levénards qui est autour de moi. Ah, c'est la première fois que je ressens vraiment le besoin d'XP à mort comme ça. On sent qu'il y a un petit level up dans la difficulté du jeu quand même. Hein. Attaque le loup. Lui il est lourd par rapport à la cible, la puissance et la capacité augmente. En vrai, pour lui là, ça peut être pas mal hein, parce qu'il est lourd lui. Hein. Ça veut dire que je vais retirer. Je sais pas. Salaison, j'adore. Hein. Salaison, c'est mon attaque préférée de lui. Hein, donc je suis limite à retirer tir debout pour le coup. Après, je me dis, un Pokémon type sol, j'avais un autre. Hein, donc. Je pense que je vais enlever tir debout. Parce que Salaison, tu vois, admettons. Contre un gros Pokémon de type acier, tu lui balances ça à la gueule, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, allez, on va enlever tir debout. Ah ouais, Salaison, c'est... J'adore. Au pire, si jamais, je lui rapprendrai. Ah, là, on se met pas mal, là. Bon, là pour le moment on farm. Mais ouais, il faudrait que je le mette au moins niveau 60, hein, si ce n'est plus hein, d'ailleurs. Putain. J'ai pris cher. Hein. Bon, je commence par lui, comme ça les autres ont le temps de XP un petit peu de leur côté aussi, et lui il sera pas trop à la traîne. Bon bah du coup ça va être full répétitif, je suis désolée. Mais c'est soit ça, soit on n'avance pas dans tous les cas. Donc. Ah ouais. Sa Salaison, moi j'adore. Que, honnêtement, Gigancel et toutes ses pré-évolutions, ça fait vraiment partie des Pokémon que j'ai vraiment adoré sur cet opus. Merci pour Petit Chat.
Je vais recharger mon marteau. Hein. Bim. Ouais, je pense. Je sais pas trop comment ça marche encore, c'est la première fois qu'on l'utilise en stream. Ah bah si, voilà, il voit, il te remercie, il est content. Ouais, ça XP bien, c'est pas mal. Pardon. J'ai envie de tester, de voir ce que ça fait, tacle lourd. Ah ouais. C'est terrible. Ah. Oh mince. J'avais pas vu. Oh lui, si je lui fais un tacle lourd, bichette. Même si c'est pas très efficace, tu vois, je me dis, j'ai envie de tester. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas très efficace, hein. C'est trop drôle. Elle est drôle, cette attaque, j'aime bien. Bon, du coup, le Vénard, il est là. Non, non, mais non, mais... Oh. Ah, du coup, il a fui. Bah, moi aussi, je fuis. Voilà. Allez, ciao. Je fais un carnage, là. Les pauvres. Petite Pokéball qui vole. Pas mal, ça. Pas bugué ce jeu. Hein. Objectif niveau 60, ça va être long. Mais bon. Au fur et à mesure. Ça porte quand même pas mal d'XP. Hein. Ça serait drôle qu'à un moment on en croise un shiny quand même. Non? En vrai. Ça pourrait être rigolo. Alors, bah on va faire du tacle lourd maintenant. Après j'irai le soigner pour le recharger un coup. Ouais, ouais, l'euphorie aussi, mais pour le moment, j'ai pas vu. Mais ce serait cool d'en croiser. Bah oui, t'es con. Carnage. Mais ça, à choper en shiny, ça doit être galère, parce que c'est des Pokémon qui s'enfuient, c'est horrible. J'ai vu un mec sur TikTok, il avait essayé de choper un mini Draco shiny, il a sauvegardé, et 2 secondes après la sauvegarde, t'as le mini Draco qui plonge sous l'eau, qui disparaît. Il a rechargé sa sauvegarde jusqu'à ce qu'il arrive à le toucher. Il a réussi à un moment, mais putain, l'angoisse, quoi. Ça XP bien, ça XP bien. Hein. Pas mal le sandwich machin là.
partout. Allez, ce heal après, je crois que c'est le dernier. Ah non, il en reste encore deux. J'ai envie d'utiliser des objets pour lui en mettre des TP, hein. Un peu la flemme. Voilà. Maintenant, on enlève ça. C'est pas mal là. Il est joli cet endroit. Hein. Ah, ouh, aïe, aïe, j'ai mal. Ça monte, ça monte. On se met pas mal. T'avais pas sauvegardé avant ? Règle numéro 1. Quand tu croises un shiny, tu sauvegardes. Non, non, c'est pas sauvegarde automatique. C'est justement, tu ne mets pas la sauvegarde automatique quand tu fais ta chasse au shiny. Tu sauvegardes devant le Pokémon shiny et tu lances le combat. Si tu n'arrives pas à le choper, tu t'éteins ton jeu et tu relances le combat en gros. Oh, c'est un dernier recours. Oh non, un peu la flemme ça. Bon, on va aller se heal un coup. Par contre, c'est chiant, c'est là-bas. Mais bon. Ah, il y avait un leuphorite déguisé, enfin dessiné sur ma... sur ma map, j'avais pas vu. Faut que je le trouve. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir combien de temps il reste à nos effets machin? Parce que j'ai jamais trouvé où est-ce que ça pourrait être écrit. Peut-être sur notre profil? Je sais pas où est-ce que ça peut être écrit. Parce que bon, on sait qu'on a à peu près une demi-heure, mais on va dire que ma notion du temps, elle est pas non plus exceptionnelle, quoi. Il y en avait par là, j'ai vu, mais je vais aller voir là-bas, il y en avait beaucoup plus. Il y en a toujours autant. Il y a déjà une demi-heure, quand même, hein. Ouais, c'est dommage qu'on sache pas. Fait, t'as pris à boire pour petit chat à peu près quand j'ai fait le truc, je crois. Et je suis à 9 minutes. Ça fait 9 minutes que t'as mis à boire à petit chat. On va essayer de trouver comme ça. Comment ça, t'esquives l'attaque? T'as pas le droit? Regarde autour si je vois pas un leuphorie, mais pour le moment non. Il y en a encore tout plein. Ça marche pas mal, hein. Il va finir par passer niveau 60, c'est tout. Bon, on a fait la flèche de droite. Voyons voir, attends. Double décharge, qu'est-ce que c'est que ça?
Le lanceur libère toute l'électricité contenue dans son corps pour infliger des dégâts élevés à la cible. Le lanceur perd le type électrique. Ah, il devient juste type combat après. C'est spécial. Je le réapprendrai si jamais un jour. Flèche de droite. Oh, trop bien, il reste un quart d'heure du coup. Merci Yaz. On continue le carnage. Hein. Merci Google. Ah, je suis un peu deg. Hein. J'aurais aimé faire Pepper et Bidule aujourd'hui, mais je pense que du coup ça va être un peu compromis. Ça attendra la semaine prochaine, puisque demain, demain je vais pas stream. Je pense que l'après-midi je vais passer un petit peu du temps avec Sony. Et le soir, je vais passer du temps avec mon amoureux. Et dimanche, je suis en famille. Par contre, la semaine prochaine, je vais essayer de préparer un programme de stream. Maintenant, faut que je me remets quand même à fond dedans, que j'essaie de me motiver. D'ailleurs, avec les points de chaîne, je pense ajouter encore autre chose. J'ai vu, hein, je me suis penchée très très rapidement dessus hier et j'ai tout enlevé parce que j'ai pas réussi à tout régler. Ils ont un add-on qui permet, avec des points de chaîne, de m'envoyer des sons. Donc des sons de mèmes, des conneries comme ça. J'ai vu qu'ils avaient des sons, genre quand tu fais une quête terminée sur Final Fantasy, ou quand tu fais un truc sur Animal Crossing et tout, ils avaient un petit peu de tout. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Donc je regarderai ça à tête reposée. Attendez, j'ai une livraison. Oh mais... C'est compliqué parce que j'ai... J'ai dû manger. Mon amour m'a ramené du manger. C'est quoi ça? Waouh! Oh, j'ai du bon manger. Hein. Bah je me doute que c'est pour demain. C'est quoi ça? Oh, c'est pour toi ça. Ok. J'ai plein de manger. Il a fait l'offrande, il m'a ramené des graines de tournesol. Merci mon chéri. Trop bien. Ça c'est pour après. Du coup, excusez-moi, je suis revenue. Merci mon chéri. Trop bien. Ayez un kissy dans votre vie. Que j'ai à dire. Ah mince, j'ai cru que c'était un l'euphorie, mais non, il avait fait un mouvement bizarre. Ça lui avait fait des espèces de grosses oreilles, là. Et niveau combien? Niveau 58 à force, quand même, hein. Pardon. Hep, 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 te sauve pas, toi. On repart sur du tacle lourd, du coup. Elle est vraiment sympa, cette zone. Hein. Il s'était mis bien, hein, le mec de la Team Star d'ici. Hein. Je me dis, peut-être s'ils sont tous niveau 60, peut-être qu'ils arrivent à le battre, ce compétiteur. Je t'avais pas vu, toi. Par contre, je suis désolée, mais je crois que je l'ai pas capturé encore, mais à la rigueur, je peux essayer comme ça.
essayer de le capturer. Je l'ai pas encore. C'est l'occasion, hein. Histoire de remplir un peu ce Pokédex, quand même. On est pas mal. Attends, parce que... Je suis fou sur la plage, je vois pas. Bim. Ah, je crois que j'allais pas lancer le combat, j'ai eu peur. Il y a pas d'autre. Il faut retourner là-bas. Ah, il y en a là-bas. Ah, bah attendez, il est niveau 60. Ça explosion. Mais non, ça fait très mal, mais c'est un petit peu l'attaque suicide, on va dire, mais je sais pas. Alors, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Okay. Je vais faire monter Malvalam. Je vais lui donner l'objet. Voilà. Et elle est comme ça, hein. Faire un petit coup de la montagne. Pas mal comme attaque, ça aussi. Hein. Ah, 58. Petit à petit. On va le faire. Ça fait peur quand même. Après, j'ai pas non plus envie de. D'habitude, honnêtement, en ce moment, j'ai un rythme où je stream pendant 3 heures, de manière générale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va pas être le cas parce que bah, ça va être les fêtes. Et puis, il y a mon amoureux qui a rentré du travail. Donc, j'ai pas non plus envie de stream jusqu'à pas d'heure. Mais je vais stream encore un petit peu. Hein. Mais c'est vrai que j'ai envie de profiter de sa présence. Donc là, il est parti jouer avec les castes VR. Donc, du coup, il va être dans son univers parallèle. Il joue à Resident Evil 4 en VR en ce moment. Jamais un jeu que je ferai de ma vie, du coup. Hein. On est d'accord? J'aime beaucoup hein, la VR, je suis contente d'avoir enfin un casque VR, de pouvoir enfin... Là j'ai pas encore, parce que je vous avoue qu'avec Noël j'ai fait des dépenses, j'en peux plus. Mais j'ai bien envie de m'acheter Moss et Moss 2. Et à la base, je voulais un casque VR pour jouer juste à Moss. C'est un jeu qui m'avait vraiment vraiment intrigué. Je pense que je me l'achèterai incessamment sur peu. Puis de temps en temps ils font... moi j'avais plein de petits jeux en VR grâce à Humble Bundle, vous avez fait un bundle de jeux. J'avais eu pour 20 balles plein de jeux VR. Excusez-moi. Encore la toussante. Oh, il est gros le Vénard là-bas. J'ai pas croisé de l'euphorie, hein, vraiment, il veut pas de moi. Bon après, honnêtement, là, niveau XP, je crois qu'on commence à être pas mal. Donc on va pas tarder à retourner voir notre bon ami Peter. Qu'est-ce que je fais? Bah, il me reste plus qu'à Aquali. Aquali, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? J'ai bien envie d'aller tester de faire Pepper là tout de suite. Mais je vais juste revoir ce que j'ai comme objet parce que.
Donc j'ai cool comme ça. Alors ça, j'ai pas compris à quoi ça servait encore. Alors. Blablabla. Est-ce que j'ai des trucs sympas là? Je vais pas dire de conneries. Mais Malvalam, il tape sur toi en physique, non? Ah, hein. Peut-être lui mettre le truc là. J'ai envie de booster mon petit Malvalam. Non, je veux pas faire ça, je veux donner. Voilà. Ah, restaure un peu l'épée du porteur chaque fois qu'il inflige des dégâts, ça peut être pas mal ça aussi. On va le donner à Flems. À moins que je trouve autre chose de mieux, mais pour le moment on va le donner à Flems. Sans des capacités de type proche. Écoutez, j'utilise jamais ces trucs-là dans les jeux Pokémon. Mais vraiment, hein, je ne touche jamais à ça d'habitude. Vraiment, vraiment jamais. Et c'est dommage en fait, tu me diras, parce que ça peut être pas mal quoi. Ok, alors après j'avais tous ces machins là que j'utilise pas non plus. Je monte légèrement les PV de base. J'avais dit je voulais booster Malvalam, on va le booster à fond. Esprit, attaque spéciale, machin. Ça je vous avoue, je sais pas trop comment les utiliser. Je sais pas si tu peux en utiliser genre 50 sur ton Pokémon, tu vois. Genre pour vraiment qu'il soit craqué de ouf. Est-ce que tu peux tout utiliser? Ça sert peut-être à rien. C'est limité? D'accord. J'y connais vraiment rien. Hein. Je vous dis, Pokémon... Moi, Pokémon, c'est attraper les shiny, tu vois. c'est vraiment ça. Hein. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour notre phase d'XP. On va aller se soigner et on va aller faire un petit coucou à Pepper. Mais vraiment, Pepper, il fait très mal. Hein. Pepper est pas cool du tout. Hein. Pepper, c'est plus mon copain. Je me dis, mais si je galère face à Pepper, qu'est-ce que ça va donner quand on fera la ligue? Ça va être... Ça va être sympathique. Alors, du coup, attendez, je vais en profiter pour... Je vais mettre Gigancelle en premier, je me dis ça peut-être être pas mal. Il balance une petite salaison, là. Ouais, pas de soucis. J'ai soigné, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ah, vraiment, c'est pas revenu. Hein. Ouais, non, j'ai pas soigné. Hein. Je suis un boulet. C'est terrible, cette histoire. On y retourne. Allez, galope. Enfin, roule. Pardon. Sur un autre jeu, je lui aurais dit galope. Mais sur celui-là, il galope pas. En vrai, j'aime bien Pokémon Violet... Je l'ai pas mal critiqué au début, j'étais pas très très contente, mais en vrai, il est cool. T'es fait pâte pâtée, petit chat. Je sais pas par qui. Quelqu'un qui est la pâte pâtée, mais il est content. Hein. Oh, il se fait bien pâte pâtée. Allez, cette fois on y va, et cette fois on essaye de le battre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Hein. Bon, si j'y arrive pas, une fois de plus, j'arrêterai là, je ferai un petit rush kit, comme on dit. Hein. Je suis fatiguée. Là, j'en avais parlé au début du stream, mais je me suis réveillée toutes les heures cette nuit, donc ma patience, elle est pas très très présente aujourd'hui. Hein. Allez, c'est bon, on a déjà lu 3 fois le dialogue, là. Ça suffit, maintenant.
J'ai jamais fait le poids contre la déléguée, moi j'ai peur. Hein. Moi je vous dis, Mandy, elle va finalement nous sortir un truc de ouf à un moment. On va rien comprendre à ce qui se passe. Hein. Excusez-moi. Allez, baston! Que là, c'est un peu plus équitable, on verra. Hein. Mais cette musique, faut que je la rechope. Hein. Je l'adore, hein, vraiment. Oh, j'arrête pas de tousser, je suis vraiment désolée. Quoi déjà? Je ne sais plus. Terra cruelle, il était plante. Plante sol. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Donc, bah, je vais mettre Malvane. Allez, cette fois c'est la bombe. Croise les doigts. Ah ouais, mais c'est vrai que ça, à chaque fois, c'est une violence. Mais bon. Ouais, on voit quand même une bonne différence, hein, maintenant que j'ai un peu plus de level. Hello, Mister Yoshi. On voit une différence. C'est sûr que quand tu tapes à peu près au même level que lui, bizarrement, ça se passe mieux, tu vois. J'en peux plus. Hein. Je toussais plus, mais ça me revient par moment. N'attrapez pas le Covid, hein. Vraiment, c'est de la merde. Hein. Un mois, j'ai encore... Je savais que j'en avais parlé au stream d'avant. Mais ça fait un mois, j'ai toujours pas complètement retrouvé le goût, parce que j'ai découvert que je n'avais toujours pas le goût de la salade de choux. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai dormi. Enfin, je me suis réveillée toutes les heures cette nuit. Mais sinon, ça va, en vrai, j'ai le moral. Hein. En ce moment, j'ai un regain de moral. Je suis au top, moralement, je suis trop contente. Mais j'espère juste que c'est pas genre, vous savez, les montagnes russes. Bon. D'un coup tu vas bien, puis après tu vas plus bien. Mais non, en vrai, en ce moment, ça va. Hein. Ça va, ça va. C'est juste... J'ai dormi, ouais, je me suis réveillée toutes les heures cette nuit, je sais pas pourquoi. Donc j'avais dit que je prenais flemme. On va tenter, parce que normalement... normalement, ça passe. Hein. Avec magie florale, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'aime pas les combats Pokémon? Qu'est-ce que je me fais endurer là? Là, je sais que ça va être que ça! Parce que bah, j'ai lui à faire. J'ai Big Boss de la Team Star. Et ensuite, j'ai la Ligue. Avec Menzi avant, sans doute. J'ai pas envie. Effectivement, quand on est plus haut niveau, ça se passe mieux. Parce que tout à l'heure, il m'a roulé dessus deux fois quand même. Hein. Oh non, c'est vrai qu'il fait piège de rock, c'est un enfer ce truc aussi. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais peut-être boire un coup. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Alors, ce pauvre vilain, lui, je l'aime pas du tout. Il me fait galérer. Mais je crois que je peux lui mettre... À toi un peu l'inverse. Genre tu dors bien mais t'as pas le moral, c'est ça? Je pense que je peux tenter avec Gigancelle, mais il est pas au top. Mais bon, on va essayer. Au pire, je lui mets une petite salaison. Mais ça va pas nous crier dessus comme ça, flemme.
Alors, vous l'avez pas entendu parce que j'ai le Nvidia Broadcast, mais elle m'a hurlé dessus, là, à l'instant. Elle s'est barrée. Ah, puis elle revient. Bon, je pense qu'elle est là. On va lui faire une petite salaison. Qu'est-ce qu'il y a, Flemme? Ah ben, je connais. Oh non, il m'a déglingué, j'en ai marre. Je sais pas quoi utiliser contre ce Pokémon à la con. Va falloir que je pense que je vais mettre Aqualy, mais juste histoire de choper de quoi ressusciter Gigancelle. Je pense. Parce que là... Ou alors j'y mets peau marmotte et je fais second souffle. Je vais aller. Je saurais pas dire ce qui fait que pourquoi d'un coup je me sens mieux moralement. C'est aussi moi, je pense, qui a décidé que j'en avais marre d'aller mal. Mais du coup, je fais plein de trucs. Je me mets à faire de la cuisine et tout, alors que d'habitude, je ne cuisine pas parce que je suis pas trop fan et tout. Donc, j'essaie de trouver des trucs qui m'occupent. Il est très dur, hein, ce Pokémon-là. Lui-là, à chaque fois, il me met dans le mal. Hein, c'est un enfer. Hyper potion, ouais, ça marche pas. Hyper potion. Il me met un peu en PLS. Hein. C'est lui hein, qui me pose problème souvent. Hein. En fait, le souci, c'est que pour lui, il faut du poison, du vol ou de la roche, mais. Et c'est tout quoi. C'est pas. Et j'ai pas. Bien sûr, mais après, si jamais tu veux passer en MP, qu'on discute à un moment. Donc... Ah ouais, son double type, il est violent. J'avais pas pu lui mettre salaison, du coup. Faut que je réessaye. Allez, il va me redéglinguer, il va me le re-one-shot. Ah non, c'est bon. Si je peux au moins faire salaison et qu'il se prenne du dégât régulièrement et que moi après, je... Voilà, très bien. Parfait. Comme ça, je peux me heal. Dégage. Voilà, j'en ai marre. Après, il est pas beau. C'est un des rares nouveaux Pokémon que c'est pas beau. Autant sa pré-évolution, elle est adorable, autant lui, il a une sale gueule. Hein. 120 PV, on va faire un potion max. Alors que sa pré-évolution, il était trop mignon. J'avais beaucoup d'espoir en lui. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu à quoi il ressemblait après. Ah, mais ça fait mal, hein. Mais c'est pas grave, je me soigne et puis toi tu meurs tout seul, je m'en fous. Voilà, dégage. Il y avait d'autres comme Pokémon après, je sais plus. Ah, c'est où là? Ah oui, Crustabri. Ah bah du coup, le moment de faire venir Féminette. Il n'y a pas eu beaucoup de Pokémon qui m'ont déçu par leur design. Après, son design se comprend aussi, tu vois. Enfin, de voir son double type et tout, ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il est pas incroyable, quoi. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Enfin, que je regarde. Et ça, cette attaque-là, mais elle est incroyable. Je crois qu'il me faisait mal aussi, quand même, son Crustabrien. Ouais, c'était ça qui m'avait fait très mal. Merci, Flemme, incroyable! Bah, bizarrement, maintenant que je suis niveau 60 en moyenne, je m'en sors mieux. C'est drôle, ça, quand même, hein. Le farming de Levenard, ça paye, hein. Bon, du coup, il va nous sortir son Dogrino. Tempête verte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tempête de feuillets serrés, le contre-coup réduit beaucoup l'attaque spéciale du lanceur. Ça m'embête. Quoique non. Quoique non. Je...
Bon, déjà, je n'enlèverai pas magie florale, c'est sûr et certain. Parce que là, vraiment, c'est mon attaque préférée. Après, est-ce que j'enlèverai pas vive attaque juste pour la tester, en fait, cette attaque, au final. On peut la tester, hein. Parce que 130 de puissance, c'est pas dégueu, hein. Et je n'attaque pas avec mon attaque spéciale. À part avec cette attaque-là. Donc, je me dis, on peut l'utiliser une fois et puis après on repasse sur magie florale, quoi. Faire ça. On va tester. J'ai envie d'apprendre un petit peu, donc je fais des tests, on va faire des expériences. Ça va être sympa quand même. Du coup, j'ai envoyé son Dogrino. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais pas changer. Je changerai quand il me mettra KO, parce qu'il me mettra forcément KO. Et au moins, je peux lui faire quand même un petit coup. Une petite câlinerie, tu vois. Ou juste pour un petit tacle comme ça. Pour merder un peu. Je n'aime pas cette terra cristallisation là. Hein. L'icône elle est ignoble. Je suis pas très fan. Viens, on fait des câlins. Non, il m'a évité mon câlin. Et lui, il m'en fait un. Mais c'est un scandale. Ouais, les animaux. En fait, ils ont mis de l'effort dans plein de trucs sympas. Et à côté, ils ont bâclé plein d'autres trucs. Et du coup, en fait, ce que je résume du jeu depuis le début, le mot que j'emploie le plus, c'est dommage. Parce que t'as des animations, t'as des espèces de petites cinématiques sympas et tout. Franchement, c'est trop bien. Ça manque de doublage aussi, mais je rêve d'un Pokémon avec un doublage. Ça serait incroyable. Ah, Flemme, tu tiens le coup, hein. Mais tu sais que j'ai pas prévu que tu restes en vie, en fait, Bichette. Moi, pour moi, Flemme, elle est crevée tout de suite, en fait. Tu m'attendais pas à... Est-ce que ça tient autant, quoi? Bon, là, il va m'avoir, par contre. Ah non, je fais en premier? Non, il m'a esquivé. Quel dommage. Ah, ça aurait été beau. Oh non, tiens le coup encore! Oh, ça serait drôle. Je suis limite à le soigner, là, en fait. Du coup, je vais soigner, hein. C'est drôle. Mais très reconnaissant. Ah non, là il me fait trop mal là. Je pense que... Ah si, ça passe. Trop bien. Trop fun, j'adore. Bravo Flemme, félicitations, incroyable. Désolé Dogrino. Enfin des os, stratéso, hein, comme on dit. Voilà. Super. Incroyable. Oui, en plus. C'est presque Dogrino et Tenebi, je te remercie. Bah, de rien. Ouah, 12 000. Merci. La thune. Quelle force. Comprends mieux comment t'as réussi à vaincre tous ces dominants maintenant. T'es avec moi, tu m'as pas vu. Désolée, j'ai fait un bruit. Enfin, je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone 0. Là-bas, les Pokémon, ils rigolent pas et on y trouve plein de machines bizarres. L'idéal serait de recruter 2 personnes en plus. Quelqu'un de fort en combat qui a déjà atteint le rang maître. Oh non, je vous demande bien de qui il s'agit. Oh là là, oh là là. Et quelqu'un qui connaît la technologie sur le bout des doigts. Oh non, je me demande bien de qui il s'agit aussi. Oui, donc il faut vraiment que je fasse Big Boss et entrée de ligue, je pense. Bah, Mandy. La déléguée, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'elle bougera pas le petit doigt tant que t'auras pas atteint le rang maître toi aussi. Ouais, donc pour le moment, on est bloqué dans sa quête. Bref, essayons de former une équipe, on se tient au jus. De ton côté, va voir si quelqu'un d'autre peut nous rejoindre. Bah, voilà. Hein. On sait ce qu'il faut faire maintenant. Hein. Un parfum de légende terminé. Incroyable.
Et bah voilà. Du coup, bah malheureusement, il va falloir qu'on fasse ça. Et qu'on fasse ça. Et je pense que du coup... Oui, c'est bon, c'est fini. Mais je pense que ça, honnêtement, je le ferai la prochaine fois. J'ai vraiment, vraiment pas envie de m'attaquer à ça tout de suite. Même si je pense honnêtement que là, avec l'XP que j'ai eu, ça devrait passer, sincèrement. J'ai bien envie de faire un petit peu de balade, moi. Parce qu'il y a des endroits, j'ai pas... Genre par là, on n'a pas trop exploré, donc je pense que je vais retourner un peu par là. Je suis en train de regarder un petit peu. Pareil, ici, j'ai pas exploré du tout. C'était 60, ça passe pour tout maintenant. Ok, mais je pense qu'on fera ça quand même la prochaine fois. J'ai pas envie de m'infliger d'autres combats. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Ouais, je pense que je vais faire un petit peu d'exploration. C'est vrai que j'ai pas du tout exploré ici, donc j'ai loupé plein de Pokémon. Ouais, on a un but aussi, c'est de remplir notre Pokédex. Il va falloir aussi que je m'arrange avec certaines personnes pour choper les starters. J'ai KO qui veut me faire des échanges aussi, donc faut que je revoie avec lui ce qu'il voulait. Je sais qu'il faut que je lui donne un plastron machin là pour qu'il ait Malvalam. Et moi qui j'ai l'autre comme ça. Malvalam, incroyable ce Pokémon aussi, vraiment. Je l'aime très fort d'amour. Ouais, ma petite équipe elle me plaît bien, juste le Aquali qui... bof. Mais je sais pas trop quoi mettre à la place. Bah là, au niveau du Pokédex, de mon côté, je suis à 228. Ce qui est pas dégueu du tout. Mais ouais, il me manque quand même... Bah, il va me falloir ça, il va me falloir le petit dino, là. Après, donc là, lui, il me faut son évolution encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il faut que je fasse évoluer des trucs, au pire. Enfin, il y en a que je peux capturer comme ça aussi, mais... Il va falloir que je me bouge un peu. C'est beaucoup d'évolution, hein, j'ai l'impression qu'il manque. Ah, j'ai pas attrapé d'Aquaquac. J'en ai croisé plein, j'ai pas fait. D'accord. Ça aussi, il faut que je m'en occupe. Oh, j'ai la flemme. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup d'évolution, en fait. Hein, j'ai l'impression, de manière générale. Donc ça va, ça se fait, quoi. On va faire au fur et à mesure. Là, je vais me balader un peu. Je vais regarder ce que j'ai, ce que j'ai pas. Bah, celui-là, d'ailleurs, j'ai pas. Ouais, faut pas que je le bute. Le problème, c'est est-ce que j'ai des Rapid Balls? Tiens. Je suis pas sûr que ça marche, mais on va tenter. Pardon. Ah, oh, j'y ai cru! J'y ai vraiment cru! Je suis dégoûtée! Ça aurait été drôle! Oh, fait chier! Bah, du coup, faut pas que je le tue. Donc, je peux le taper. Au pire, je lui mets Salaison. Vraiment, Salaison, c'est une attaque, j'en abuse. Hein. Moi, je sais à peu près. Mais je sais pas si tu veux l'info, donc. On va le laisser se faire des dégâts tout seul. De ce que je sais, c'est... Oh, je sais pas le chiffre exact, mais c'est autour de 400. Donc t'es pas loin. Hein. Ça peut te motiver. Gigancelle aussi, giga coup de cœur pour ce Pokémon. Quoique, je crois que j'ai une préférence quand même pour Ramacelle, qui je trouve beaucoup plus mignon. Oh là là, hé hey. C'est fou ça quand même. Finir par crever. Je vais faire bonne figure devant ton petit bébé, c'est ça? C'est bon.
Oh là là, les textures, par contre, pitié. Ah ouais, 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 Miraidon, gros, gros coup de cœur. C'est vraiment, pour moi, c'est un croque-mou puissance 10 000. Et Briochien, il est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que lui, je l'ai? Scalpion, je l'ai pas non plus. Reviens là, toi. Oula, oula. J'ai failli me faire détruire. pareil, on va refaire du salaison. Ça laisse un peu le temps. Ça y va tout seul. Ça lui fait pas trop de dégâts, donc ça me laisse une chance de le choper. Coraidon, j'aime un peu moins. Bizarrement, tu vois. C'est... Miraidon, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, Briochien, il est adorable. Gigancelle et toute sa clique, j'aime vraiment beaucoup. Forgella, elle est incroyable. C'est... C'est trop bien. Forgelina, pardon. Et Pomarmotte et ses pré-évolutions. Bon, ils se ressemblent beaucoup. T'as vraiment l'impression que c'est juste un Pokémon qui a grandi, en fait. Mais j'adore. Et bon, c'est la première fois qu'on a un Pikachu-like qui évolue, hein, donc cool. Moi, j'apprécie. Ah non, mais laisse-moi tranquille, maintenant, ça suffit, des conneries. C'est vrai que les piafs aussi sont stylés, hein. Mais franchement, il y a vraiment très peu de Pokémon qui visuellement m'ont posé problème. Je t'avoue que Topico et Triopico, je suis pas fan. Voilà, déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En vrai, Terrestre, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je... Bah, le... Attends, comment on fait le Pokédex? Je sais jamais. Là. Bon, lui, ils sont mignons. Eux, j'aime un peu moins. Lui, j'adore. Gambex, je le kiffe. Il est trop bien. Voilà, on va avancer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de Pokémon qui m'ont marqué. Que je regarde vite fait très très rapidement. Alors ça, par contre, ils sont mignons, hein, mais je vous avoue que... Un peu du mal. Briochien incroyable. J'avance vite, vite, vite parce que je peux trouver très rapidement quand même. Je peux pas non plus y passer 10 plombes. Gigancelle, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, mais alors, lui, là. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Mais quel beau gosse. J'ai pas encore vu l'autre. Donc, je me suis pas spoil la gueule de l'autre, je crois. Hein. Donc, j'attends. Je vais bientôt faire l'échange avec... Avec K.O. Donc, bientôt, bientôt. Alors lui, par contre, quel enfer, mais quelle horreur, mais... On a d'autres. Ça, je suis désolée, mais ça... Ça, c'est du troll et c'est pas gentil. C'est grave. Lui, il est incroyable. Il est incroyable, celui-là. J'adore. Mondogrino, il est mignon. Voilà... C'est un peu bizarre quand même. Hein. Mais rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui m'a marqué, hein. Je regarde vraiment rapidement dans ce qui aurait pu me marquer. Bah lui, bizarrement, je l'aime bien. Il est drôle, il a une bonne bouille. Lui, il est adorable. Vraiment, tu m'attendais à un truc hyper joli en évolution. J'avais un peu le seum quand j'ai vu que c'était ça. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Celui-là, il est drôle aussi. Et lui, par contre, j'aime pas du tout. C'est... Dark. Ça, j'aime bien. Flotillon et Cléopsita, ils sont mignons. Même si je comprends pas le rapport entre l'un et l'autre. Enfin, pour moi, ce n'est pas un oiseau. Et là, c'est un oiseau. Je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Ouais, Forgelina, incroyable. Hein. Mais alors là, le trio, hein. Elle est trop mignon. Trop mignonne. Et vraiment, mais badass, mais genre vraiment, elle est trop bien, j'adore.
Mais c'est vrai, ouais, ça fait très très vibe Bibichu et tout compagnie, ouais. Je trouve que c'est pas mal qu'il les ait mis à côté d'ailleurs. Alors ça, pitié, foutez-moi ça dehors, je suis désolée, mais... Ah, vraiment aucun effort. On a lui, qui est pas mal aussi, qui est mignon. J'ai pas encore son évolution. Lui aussi, il est cool. Ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime un peu plus, mais ça, j'aime pas du tout. Motorizard, pas mal. Alors, celui-là, il m'a fait mourir de rire, il est incroyable. J'ai pas tout encore. Alors, eux, là. Mais alors, tout tombe. Et Tombero, mais ils sont, mais... Oh, j'adore! Dodo à la choupi. C'est quoi ça? Ah, on aurait trop dit l'évolution. Ça aurait pu carrément être l'évolution de Bidule là. À Macelle et compagnie. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, j'aime pas non plus. Il est mignon, mais son évolution, elle est affreuse. Mignon de manière générale. Ouais, ça, c'est mignon. Ça, c'est rigolo. Ça, il est joli et tout, j'aime bien. Il est gros. Alors, celui-là, je l'ai eu en échange miracle. Du coup, je l'ai pas encore croisé. Ah, et puis Mordu d'or, il est mignon. Voilà, à part ça, pour le moment, j'ai pas plus. Mais en vrai, je suis pas mal, hein. Les dominants, j'ai vraiment aimé cette série de quêtes, c'était très cool. Les arènes, je vous avoue, j'avais beaucoup d'espoir quand j'ai vu qu'on avait des petites épreuves avant les arènes. Malheureusement, je trouve que ça a été mal réalisé et que la plupart des épreuves, bah, c'était juste chiant en fait. Et c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment le mot que j'emploie le plus quand je parle de ce jeu, c'est fou, hein, mais dommage. Et bon, bah tant pis, hein. Mais franchement, j'espère qu'ils nous garderont cette histoire d'open world qui est très très sympa. Mais attends, mais je veux pas les tuer. Attends, je vais essayer de faire quand même si j'y arrive. Oh, allez, là. Vas-y. Et que ça bouait, là. Puis les changements de stats, si tu veux. Voilà, comme ça, ça va aller tout seul. Faut que je le chope maintenant. Là, ça va être chaud. Oh, la Team Star, c'était sympa. Par contre, c'est dommage qu'on ait eu toujours pareil, en fait, à chaque fois. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, ils ont eu des bonnes idées, mais je trouve qu'ils ont pas assez... Comment dire, pas évoluer, développer. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Mais je me dis, s'ils continuent dans ce sens-là, je pense qu'ils sont sur la bonne voie, quoi. Bah oui, c'est dommage, mais vraiment, ce jeu, faut l'appeler, c'est dommage, en fait. Bah ouais, le mode mêlée, c'est rigolo une fois, tu vois. Mais quand tu te tapes à chaque fois, au bout d'un moment... Oh. C'est chiant. Oui, c'est vrai qu'on peut plus courir en appuyant sur B. Les vieilles habitudes. Je l'ai ou pas, lui? Je sais plus. Oui, je l'ai. Et... Je l'ai pas. Quel beau gosse. Pokémon, c'est dommage, il y a rien qui va bientôt en vente. Non, mais surtout que moi, je suis quelqu'un de super bon public. Je suis rarement déçue sur des jeux, je suis rarement à m'énerver, à vraiment faire des scandales et tout, mais je trouve que quand même, sur cet opus, il y a pas mal de trucs où on s'est quand même... on s'est foutu de notre gueule, quoi.
Et ça, c'est le problème de sortir un jeu par an. Faut qu'ils arrêtent ces conneries. Hein. Ah bah j'ai pas de Lucio non plus. Je sais pas si on a un qui traîne. Hop. On remplit bien le Pokédex là. Je prends jamais le temps de le faire ça, parce que quand je joue de mon côté, bah là récemment je faisais surtout des raids en fait, pour choper des bonbons, parce que je suis une feignasse. Allez. Il y a un panneau là-bas, j'irai voir ce qui est écrit. Il m'a poisonné. Sale bête. Lui, il est pas beau. Hein. C'est pas un Pokémon que j'apprécie. Ah, Gambex, là, je le vois dans le fond. Je le trouve hyper stylé. Hein. C'est rare hein, que je trouve un Pokémon d'insecte stylé, tu vois. C'est soit il est joli, soit il est moche, d'habitude. Lui, il a un petit style, hein, quand même, Gambex. Ne meurs pas, hein. Ouais, c'est bien. C'est de l'attraper, quand même. Et c'est vrai que quand on voit visuellement ce qu'il nous avait sorti avec New Pokémon Snap, j'avais quand même un petit peu d'espoir. Visuellement, Pokémon Snap, c'était... Waouh, c'était trop bien. Voilà. Alors, on va aller lire le petit panneau. Ah, une des 10 merveilles de Paldea. Ok. Ah non, lui je l'ai pas, je crois. C'est pas de conneries, il me semble que je ne l'ai pas. Je sais plus. Il y a un Gambex qui veut ma mort là. Il est trop cool. Allez, laissez-moi le capturer s'il vous plaît. On a fait le tour hein, au niveau de cette zone. Hop, allez, un de plus. Ouais. Bon, après, de toute façon... Je vais essayer de voir pour la prochaine fois qu'on fasse les deux combats là qui nous attendent. Après, est-ce que j'enchaîne avec... Ah oui, de toute façon, non, faut que je fasse la ligue aussi, parce que sinon, Menzi ne nous viendra pas avec nous, c'est ce qu'il a dit, Bidule. Donc, on n'a pas trop le choix, malheureusement. Je les ai, eux, ou pas? Exig, je l'ai. Ouais, j'ai aussi Melocric, tout va bien. Lui, je l'ai, je m'en souviens. Ça, j'ai pas, ça. J'y ai pas. Enfin, je sais, j'y ai pas. Mais je vais essayer Rapid Ball. Hein. Oh, j'y ai cru à chaque fois. Hein. C'est fou, hein. Ah, GG Yaz. Bon, bah du coup, je vais lui faire une salaison, mais ça va être un peu compliqué, là, je pense. J'ai
J'ai un peu peur qu'ils survivent pas, en fait. La différence de level, elle est quand même présente. Hein. Ouais, bah j'irai voir après. Et survie, survie, c'est bon. Let's go. Voilà, ça c'est fait. Ça commence à être pas mal tout ça là. Bah du coup attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en sécurité genre là, parce que je vais pas non plus explorer cette zone. Et je pense que je continuerai peut-être dans mon coin, ou peut-être la prochaine fois on se fera peut-être un stream avant de faire la ligue et tout, parce que je vous avoue que je suis pas très motivée, parce que les combats Pokémon c'est pas ce que je préfère. On se fera peut-être un stream capture de Pokémon, complétion du Pokédex, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal aussi hein. Pardon. J'entends un mordu d'or, il m'angoisse. Vraiment, les bruits des mordus d'or, c'est un enfer. Il est où? Il est là. Il faudrait que je fasse aussi les combats, parce qu'il y a eux là qui me donnent des quêtes de combat machin et tout. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. Bah du coup, moi, je vais m'arrêter là. Je suis contente, en vrai, parce que on a quand même pas mal avancé. Même si j'aurais aimé qu'on fasse plus. Mais c'était plus compliqué que je l'aurais cru. Hein. Genre vraiment, vraiment compliqué. Je regarde un petit peu sur les différents Discord. Est-ce qu'on a des copains en stream? Je ne crois pas. Oui, solo... sur le stream. J'en profite pour faire un petit coup de pub. On a le Discord des streamers de l'antre où il y a des copains qui font des streams aussi qui sont tous là-bas. On est un petit peu tous regroupés et on essaye de s'entraider tous ensemble. Donc, si jamais vous voulez rejoindre le Discord des streamers de l'antre pour aller voir les copains, c'est des gens très cool et ils sont tous très gentils et ils sont tous très mignons. Du coup, je vous laisse ça là. Et puis, il y a aussi mon propre Discord à moi. Hein. N'oubliez pas que voilà, je... J'ai toujours mon petit Discord à moi où je partage un peu plus ma vie. Et voilà. Du coup, bah, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite en avance de passer de bonnes fêtes. Et on se retrouve semaine prochaine. Je vais essayer de refaire un petit programme. Je vais me relancer là-dedans. Et voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.